Son œil avait fixé à l'écran pour vous les premières images des fonds marins. Il avait été le second du commandant Cousteau pendant 21 ans. Le plongeur et cinéaste André Laban est décédé de vieillesse à l'âge de 90 ans ce mercredi dans le Tarn-et-Garonne. C'est lui qui a conçu la première caméra 35 mm en PVC munie d'un boîtier résistant à la pression. Sans cette invention, le film « Le monde du silence » de Louis Malle et Jacques-Yves Cousteau n'aurait pas vu le jour. C'est lui aussi qui invente la peinture sous l'eau, s'immergeant à 25 mètres de profondeur, pour fixer sur la toile ces teintes bleues qu'il n'a cessé de retranscrire à l'image durant toute sa vie. La rédaction Evia Occitanie s'associe à la douleur de la famille et plus particulièrement à Jean Brun, son fils, notre directeur d'antenne.